tu m'en sais rien, je te souhaite beaucoup de bonheur aujourd'hui. J'espère que tu vas bien t'amuser avec nous et que nous allons bien nous amuser avec toi. D'accord? Attention, je te les présente. Ils sont aujourd'hui de la sixième année, donc tu pourras bien répondre aux questions. C'est aussi de la sixième année. Bon, parfait. De Montréal, l'école Saint-Grégoire-le-Grand. Allez, on les accueille. S'il vous plaît. Vermicelle, qu'est-ce que tu fais dans cette élus encore une fois? Que la force avec toi, Dino. Allez, gros, comment vas-tu, mon ami? Hé, hey, quel beau dessin. Quel beau travail, je vais te montrer ça tantôt. Que la force avec toi, Manuela. Bulaïs. Bulaïs, comment vas-tu, toi aussi? Dis donc, on a de magnifiques dessins aujourd'hui. Que la force avec toi, mon ami Cédric. Dégagné. Est-ce que vous allez gagner? Oui! Hey, je vous souhaite bonne chance, attention. N'oubliez pas que vous représentez toute l'école, hein. Aïe, aïe, aïe. De Saint-Hubert, l'école Gaëtan Boucher. Approche ma belle Sophie, que la force avec toi. Sophie qui? Bonjour. Bonjour, tu vas bien aujourd'hui? Oui. Que la force avec toi, Jean-François? Oui. Mais t'es de bonne humeur, j'espère. Oui. Ouais, que la force avec toi. Si. L'Anglois. Comment? L'Anglois. L'Anglois. Est-ce que vous allez gagner? Oui! Oui. 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 Ok, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Le bon tympan. Bon, attention, notre écran interplanétaire nous rappelle, semble-t-il, qu'il n'y a pas de saut métier. En examinant l'illustration qu'il nous propose, pouvez-vous me dire de quel métier il est question ici? S'il vous plaît. Chercheur d'or. Chercheur d'or, vous avez raison. C'est une bonne réponse, ce sont des chercheurs d'or. De grands rêveurs, quoi. De grands rêveurs, hein. Pour chercher de l'or, il faut vraiment rêver. Bon, attention. N'oubliez pas mon view, hein. C'est très important. On chante ensemble. C'est parti. On va chanter le cours pour un rêve. Parfait, tout le monde a fait mon view. Le doigt sur le témoin. Un gros morceau de minerai d'or. Un gros morceau de minerai d'or. On appelle ça un pipeline. Vrai ou fou? Oui. Mais non. C'est complètement faux. On appelle ça comment? Hein? Oui, oui, c'est ça, une pépite. Vous avez raison. Alors là, quand on a une mauvaise réponse, abrez-vous, qu'est-ce qui arrive, Sophie? On donne le morceau de l'autre côté, ouais, c'est ça. Bravo, hein, vous finissez. Oh, un bon effort, un morceau de robot. C'est bon, c'est bon. Bon, derrière ces noms bizarres que Vermicelle va nous montrer, se cachent des noms de métiers. Examinez-les bien, toutes les lettres y sont vraiment. Le premier qui sait appuie sur son témoin. Voici ce premier nom bizarre. Quel est le métier qui se cache là? Oui. Horloger. Vous avez raison, pas de réponse. Deuxième nom bizarre. Quel est le métier qui s'y cache? S'il vous plaît. Plâtrier. D'accord, ah, il faut le dire. Attention, voici le troisième nom bizarre. Quel est le métier qui s'y cache? Il est pas facile, celui-là. Ambulancier. Oh. Ah, ben... Hein? C'est ça. C'est ça. Hein? Nous avons eu une bonne réponse, hein, d'accord? Bon, attention, voici trois symboles. Encore sortis du petit boulot de celui qui fait les textes de l'émission. Oui, pas de Michel, parce que... Non. Bon, attention. Je vous montre maintenant les logos. Trois symboles de trois compagnies bien connues. Vous aurez le choix de me montrer le nom de cette compagnie ou le nom de la compagnie ou le produit qu'on y fabrique. Vous avez le choix entre les deux. D'accord? Attention, voici le premier. Oui. Quaker. Quaker Oats. On y fabrique quoi? Des céréales. Oui. Du gruau. Un deuxième logo. Le voici. Oui. Chrysler. Vous avez raison. Elle l'a appuyé avant, hein? Tu le savais, ça, Sophie? Un troisième, le voici.
Vous avez beaucoup l'esprit d'observation, cher ami. Ça, je dois vous dire. Un morceau de robot du côté de Matt. La petite question se fait. Dites-moi, quel nom donne-t-on aux gros morceaux de minerai d'or? Oui. Des pépites, vous avez raison. Des pépites. Oui, pépites, mes copains. Au tiroir de la mémoire. Attention, soyez bien attentifs, écoutez bien ceci. D'abord, il y a une molette au dynamo que vous employez pour éclairer quand vous sortez à bicyclette, d'accord? La molette, elle frotte sur le pneu, donc ça fait tourner la molette. Ça agite à l'intérieur une spirale faite de cuivre. Tu connais ça, une spirale, hein? Et cette spirale tourne sur elle-même autour de deux pôles d'un aimant. Je recommence? OK. La molette sur le pneu, elle fait tourner une spirale de cuivre sur elle-même qui tourne autour de deux pôles d'aimant. Et ça, ça produit assez d'électricité pour faire éclairer ton dynamo. C'est compris? On met ça dans le tiroir de la mémoire. On referme le tiroir. Or les plus pratiqués au monde. Ça s'appelle le jeu de soccer, naturellement. Mes terriens, mes six terriens sont là. Ils vont se disputer deux périodes de 30 secondes. Attention, la balle est où? Vermi, tu t'occupes de mettre la balle au jeu. Hein? Ça va? C'est parti, on y va! Oh! Arrive du côté de Mars. Attention, voici la balle. Première période se termine au compte de 1-0. Attention, on met la balle au jeu. Deuxième période. Terminé. Nous avons des gagnants du côté de Matt. Deux morceaux de robot, s'il vous plaît. Ok, par ici, mes terriens. Acceptez mon moteur de robot. Vermicelle, viens par ici parce que tu dois faire quelque chose. Avez-vous la mémoire des détails? J'espère bien. C'est ce que nous verrons avec notre prochain exercice qui vous demande de reproduire un dessin le plus exactement possible. D'accord? Ce n'est pas la beauté du dessin, ce sont les détails du dessin qu'il faut reproduire. Alors voilà. Premièrement, Vermicelle vous montre un dessin pendant 20 secondes. Toi aussi à la maison, si tu as un papier, donc tu t'amuses avec nous, d'accord? Regarde bien, voici le dessin. Une minute, très exactement, pour reproduire le dessin, allez-y, c'est parti. Thank you.
un peu par ici, Manuela. Regardons du côté de Matt. Wouhou! Il est beau, hein? Il est très beau. Attendez, remarquons une chose, par exemple. Nous avons le ballon, le pied dans les airs, la main droite qui est dans... La main gauche, pardon, qui est dans les airs, l'autre pied par terre, bon, ça va. Il y a les lignes du chandail, regarde, qui sont différentes, là. Bon, disons que, bon... C'est bien. On va voir de l'autre côté. Ah non, mais c'est très bien, comme c'est ça, il faut le dire. Approchez un peu par ici. Nous avons le ballon, la main droite, la main gauche dans les airs aussi. On a dit que c'était pas une qualité de dessin, hein. L'autre pied est par terre. J'ai de la difficulté à voir les deux, là. Regardons, ça me prend. Ça me prend gagnant, là, Michelin. Bon, eh bien, nous avons des gagnants du côté de Matt. On donne deux morceaux de robot. OK, on va jouer maintenant, on va jouer avec l'arbalète. Venez par ici. Par ici, l'arbalète. S'il vous plaît, Vermicelle, tu m'approches. Les côtés, les amis de Matt, vous venez premièrement. Les trois, vous venez jouer avec moi. Je vous donne deux essais chacun. Laissez-moi bien remonter la... Attention, Dino, tu le prends. Attention pour ne pas appuyer là parce que tu fais partir, d'accord? Vise bien, mire bien ta cible, c'est la balle. Vas-y. Nous n'avons pas de gagnant, donc pas de morceau de robot pour l'instant. On te revient pour terminer tout ça tantôt que la porte est ouverte. Oh, attention! Voyons voir! Combien de morceaux de robots? Trois morceaux. Attention, du côté de Matic, voyons voir. Ah, il y a une montagne de robots, hein, placé ça en montagne, mais des fois, la montagne, ça baisse très vite. Hein. Alors, attention, voici pour deux morceaux de robots une question principale. Le doigt sur votre témoin. Regardez bien. Les gens installés dans les cabanes que l'on va voir à notre écran ne cherchent pas de l'or, mais une sorte de poisson qu'on appelle les petits poissons des chenots. Des chenots, deux morceaux de robots. OK, deux morceaux de robot. Poisson des chenots. Voici pour deux autres morceaux de robot. Dites-moi, écoutez bien, on va au tiroir de la mémoire. Là. La spirale en cuivre d'une dynamo tourne entre les deux pôles de quoi? De mémoire, vous avez raison, deux morceaux de robot. Dites-moi, est-ce qu'on doit dire un ou une dynamo? Oui, un. Non, c'est une. Ben oui, naturellement, c'est une. C'est sûr. Non, non, ben là. Non, c'est sûr. Hein. All right. OK, attention. Voici pour deux autres morceaux de robots. Qui a inventé la dynamite? Oui. Oui, vous avez raison. Deux morceaux de robots. Pour deux autres morceaux de robot, dites-moi, quel est le système d'écriture des aveugles? Oui, le braille, vous avez raison. Et nous avons des gagnants. Voici un petit discours de mon espace qui est là. Bip, bip, laissez-moi vous congratuler. Comment? Premièrement de Saint-Hubert de l'école Gaëtan Boucher, Sophie Bourgeois, Jean-François Smith et Steve Langlois. C'est le drôle de vie. Avec trois magnifiques prix. Alors, on les applaudit très fort. On les remercie. Hey, c'est la trousse d'artiste. Hein. C'est une trousse d'artiste. C'est très bien. Nous avons des jumelés du côté de Matic aujourd'hui, ça c'est sûr. Yannick Dallaire qui demeure à Saint-Félicien. Celle-là. Et c'est qui l'autre?
François Laval, non, de Saint-François Laval, Lise Briand, qui demeure à Saint-François Laval. Salut là. Ces deux terriens, parce que jumelés aujourd'hui aux gens de Matic, c'est-à-dire en jaune, vont recevoir quatre magnifiques livres. C'est les éditions Flammarion. Voilà. Quatre magnifiques livres. Ils sont beaux, Barton, ils sont beaux. Voilà. C'est un très beau prix pour toi. Et maintenant. Oui, merci Vermeer. Et maintenant, j'ai besoin d'un trophée, s'il vous plaît. Et maintenant, ils sont de Montréal, de l'école Saint-Grégoire-le-Grand. Manuela, Téloès. Dino Allegro et Cédric Degani reçoivent le trophée que ça se fait. Et nous avons des jubilés naturellement gagnants aujourd'hui. Félix Beauchamp, qui demeure à Repentigny, celui-ci, et Geneviève Lemieux, qui demeure à Frampton, dans le comté de Dorchester, celui-là. Ces deux terriens, parce que jubilé aux gagnants aujourd'hui, vont recevoir un magnifique dictionnaire, un beau CET jeunesse. Voilà, j'espère que tu as passé une demi-heure fantastique. J'ai quelques secondes pour te dire un gros merci, de t'envoyer un beau bec, et te dire que j'attends ta carte postale. Salut!